Monsieur l'inspecteur général Joël Bellassène va maintenant prendre la parole. Monsieur le recteur, monsieur le ministre conseiller de l'éducation de l'ambassade de Chine, monsieur le directeur général adjoint du Hanban, monsieur le professeur Lu Jianming, monsieur le professeur et cher ami Alain Peyraube, chers collègues, mesdames, messieurs. Une discipline est un corps vivant. Elle n'est pas un territoire figé, immuable, et son évolution n'est pas toujours à l'image d'un long fleuve tranquille. Le paysage des langues vivantes et de leur enseignement est soumis à des transformations, à des mutations, à des glissements de terrain, étant le théâtre de nouveaux territoires émergés et parfois de terrains engloutis. S'il reste à en connaître les lois qui le régissent, il peut être constaté qu'existent dans ce domaine des microclimats. Et le contexte français pour l'enseignement du chinois en est un incontestablement. Tout près d'ici a été créé, cela a été rappelé par Monsieur le recteur, il y a 200 ans, la première chaire de langue et de littérature chinoise et de langue tartare-mandchoue. Dans son discours inaugural, son titulaire, Abel Rémusa, déclarait « Nous allons aborder une terre déserte et presque en friche. La langue dont nous nous occuperons dans ce cours n'est connue que de nom en Europe. Nous n'avons aucun modèle à suivre, aucun conseil à espérer. Bien plus, l'approche de cette branche de la littérature orientale a, jusqu'à ce jour, été défendue par 1000 préjugés capables d'en écarter tous ceux que n'animait pas une volonté bien ferme et un courage à toute épreuve. » En relisant cette phrase d'Abel Rémusa, en ce jour, en ce lieu, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Composante essentielle du microclimat français dans le domaine du chinois langue seconde, la création d'un enseignement du chinois dans le système scolaire français, qui prend forme dès les années 60 du XXe siècle, va conduire à la construction, pour la première fois dans un pays occidental, d'une discipline effective du chinois langue seconde, avec ses objectifs, son approche didactique, ses programmes. Cela fait du chinois une langue pleinement intégrée aujourd'hui au sein de la discipline langue vivante et forte d'une progression d'effectifs d'élèves dans le secondaire de 400% en 10 ans. Aujourd'hui, près de 40 000 élèves sinisants sont engagés dans un parcours d'apprentissage réglementaire réparti sur plus de 600 établissements et désormais sur toutes les académies métropolitaines. Cet essor du chinois concerne en France les différents niveaux du système éducatif, enseignement élémentaire, secondaire, supérieur, et sa présence est significative dans le domaine associatif. En à peine 3 décennies, sur près de 2 siècles d'enseignement institutionnel, le chinois voit son statut passer de voie d'accès aux études sinologiques savantes à celui de langue de communication, bénéficiant des effets de la mondialisation en termes d'échanges et de mobilité, et traversé par la rénovation de la discipline langue vivante au sein de l'éducation nationale. De plus, depuis le début des années 2000,
cet essor s'accompagne en France d'une évolution considérable des représentations sur la langue chinoise et relayée notamment par un traitement médiatique sans précédent dans la presse nationale et régionale. Enfin, la structuration didactique de la discipline s'opère parallèlement à la diffusion de l'enseignement du chinois et à son développement au plan quantitatif, qualitatif et curriculaire dans l'ensemble du système scolaire. Une discipline est donc née, explorant dans le même mouvement ce que peut être l'enseignement, apprentissage d'une langue à écriture seconde et son adaptation au cadre européen commun de référence pour les langues. Au-delà de lui-même, l'essor du chinois est le signe du phénomène de la recomposition du paysage linguistique dans un monde globalisé, au sein duquel les langues distantes se rapprochent. Au-delà de cette dynamique générale, l'enseignement du chinois doit son émergence à la volonté, voire au volontarisme et aux initiatives de certains acteurs directs au sein du monde éducatif. Ainsi, c'est une professeure de philosophie du lycée de Montgeron. Ces démarches ont conduit à la création du premier enseignement de chinois dans le secondaire en 1958. Plus près de nous, des acteurs éducatifs, soit au plus haut niveau des rectorats d'académie, monsieur le recteur, soit des chefs d'établissement conscients des enjeux qui se jouent autour des langues vivantes et du chinois en particulier. Un tel essor n'aurait pu être possible sans l'implication des professeurs de chinois eux-mêmes et sans l'adhésion des élèves et au-delà de leurs familles. Mais cette émergence, je l'ai dit, n'a pas été un long fleuve tranquille. Certains préjugés cèdent, d'autres parfois apparaissent. D'autre part, la rapidité de la progression même du chinois n'est pas sans générer des difficultés réelles à encadrer son développement. Le chinois est la langue d'un pays où l'on raconte que la volonté permet parfois de déplacer les montagnes, non sans l'aide déterminante de l'empereur du ciel. Et c'est le moment pour moi de remercier monsieur le recteur de l'Académie de Paris pour avoir apporté dès le début son soutien décisif et résolu à l'initiative que j'ai conçue. Une page nouvelle de l'histoire de notre discipline s'écrit durant ces deux journées avec le premier séminaire de formation des professeurs de chinois à l'échelle européenne. Et cet après-midi, ma proposition de créer une entité de coordination européenne de l'enseignement du chinois. La formation des professeurs est le levier le plus précieux pour faire évoluer les pratiques pédagogiques et des avancées notables ont été réalisées en chinois avec la constitution d'un espace de formation en chinois par le biais des plans académiques de formation annuelle, ou encore par la collaboration innovante entre l'éducation nationale et l'université d'Artois et son institut Confucius. Et je remercie la professeure Tin Seyen aujourd'hui de son implication dans ce projet. Le concours de vos services, monsieur le recteur, a été des plus précieux et a permis la tenue de cette manifestation. Je tiens à remercier particulièrement monsieur Anton, proviseur du lycée Claude Monet,
où se tiendra ce séminaire pour son hospitalité et pour avoir favorisé directement sa tenue. Mes remerciements vont enfin à l'Association française des professeurs de chinois, co-organisatrice de cette manifestation, qui fête ainsi de belle manière le 30e anniversaire de sa création, et également au Hanban pour le soutien et l'attention au programme de collaboration dans notre domaine. Merci à tous ceux qui ont aidé donc à déplacer ces montagnes, favorisant concrètement l'apparition d'un espace européen de l'enseignement du chinois à la veille du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques franco-chinoises et à la veille de l'année du cheval, qui me permet de souhaiter à l'enseignement du chinois de continuer son avancée galopante. Je vous remercie.